Ah non, pas le ghost! Il est où? Il me fatigue. Pourquoi tant de haine? Oui bonjour. J'avais tellement te tuer. Ah, par contre il y a une nouvelle machine les mecs que j'aimerais tester. Est-ce qu'on va la faire ce soir? Ouais. Non, faudrait d'abord que je finisse ton... Oh, ton système de beacon mec, c'est l'enfer de la redstone hein. Mais ça marche. Alors, par... Vu que je déteste Nem, c'est que je veux pas lui donner de l'argent, dis-lui bonjour de ma part. Bonne soirée à vous. Alors ils ont fini la déco, ça y est. Classe. Ça fait vraiment bling bling. Ça correspond à la machine à duplication. Bon, et bah les mecs, bon bah il se passe rien. Ils ont réussi à remplacer les blocs. Voilà. Yes. Voilà. C'est... Voilà, pas ma faute. Voilà. J'aime beaucoup le côté bling bling. Côté NT, non les... En vrai le troll, ouais, ça serait de poser une TNT là. Mais bon, faudrait certainement pas qu'il y ait de redstone à côté. Tu vois pas un psy toi? Bah si si, tous les jours. C'est chaud, c'est une addiction au sexe tu vois. Puis vu que bah ça a quand même tous les membres de ta famille qui sont passés, tu vois. On a entendu d'en haut, toi qui gueulais sur le chien, il a fait pipi où? Un peu partout, comment ça? Précise. Ah, il a fait pipi dans sa gamelle. Ah oui, oui, voilà, oui. À l'aide. Bah écoute, c'est bon, hein. En vrai, c'est un chien qui te correspond, hein. Il aime bien les trucs étranges d'un point de vue sexualité, hein. Je veux dire, bon... Attends, Pierrot me dit que des conneries. je vais raccrocher à Amour deux secondes. Merci, Quel enculé. Mais qu'il est con. Ah, j'étais en mode... Est-ce qu'il va le lire? Bon, on a dit qu'on faisait le système redstone, les gars. C'est le moment ou jamais. Hein. Apparemment, la TNT a été désactivée. C'est dommage. Comment on va creuser maintenant? Ah, c'est vraiment pompé l'op. Où est-ce qu'ils ont... Ah, tu me diras. Ah, c'est dommage, ils auraient dû faire peut-être 3 d'espace. Ouais, mais ça aurait pas pu être centré comme ça, pour la mettre au centre. Là, on a bien les 3 d'espace, mais ici, c'est que 4. Mais c'est bien, on voit la machine et tout. Bon, ouais, c'est propre. Hein. Et la machine marche toujours. Ika l'avait réparé, je crois, hier. Ouais, alors il y a de la simplification de machine. J'ai pas trop compris sur ces inputs, faudrait que je regarde. J'ai vu qu'il y en a un qui avait fait le truc simplifié où on rajoute des moins 1 plus 1. Le problème, c'est que j'ai un peu peur de ce qui. Ouais, quoi que si, ça devrait marcher. J'ai un peu peur de ce qui se passe quand tu fais un moins 1 plus 1 en même temps sur un score à 0 en fait. J'ai peur que ça soit faussé. Parce que si jamais. On a un score à 0 et on fait moins 1 et ensuite on rajoute plus 1. Le moins 1 n'a pas été compté parce qu'on a fait le moins 1 avant le plus 1 alors que le corps était à 0. Je sais pas trop comment dire. Oh, ça va dupliquer, c'est bon. Ça, on a clairement assez, ça aussi. Une machine full automatique en XP. Hein. Y'a vraiment rien à faire. Non, 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 c'est une machine qui duplique cactus et carpettes et qui fait cuire les cactus avec des carpettes à l'infini. Sachant que l'XP est stocké sur les items, vous pouvez la laisser tourner et quand vous arrivez, vous cliquez, vous chopez toute l'XP d'un coup. C'est assez incroyable comme concept. Alors, on est parti pour la machine. J'aurai besoin des droppers dans un premier temps. Des comparos, ça... Mes lignes d'entrée... La partie chiante de la machinerie. Vas-y, tu râles. Fais-nous de l'ASMR, le chat. ASMR. Voilà. Eh, vous ressemblez pas qu'il ressemble un peu au chien de Nems comme ça? Un petit peu tout joyeux comme ça, la queue dans tous les sens. Est-ce qu'il ressemble au chien de Nems ou est-ce qu'il ressemble à Nems? Le doute est permis. Nems, ça on est d'accord. Donc on a 10 dans l'ordre, c'était... Hop, ensuite c'était vert. Hein. Hop, ensuite c'est jaune. Bon là c'est la partie chiante parce qu'il faut que je réfléchisse pour faire un truc sympa. Alors la machine on l'avait expliqué la dernière fois et beaucoup n'avaient rien compris donc je pense pas que ça soit la peine de la réexpliquer. Quelque chose me dit qu'elle est assez complexe. Et il y avait pire, on m'a présenté une machine qui est effectivement un peu plus compacte je pense sur Twitter mais plus complexe à comprendre. Machine à lag! Parfait. Ok, ça c'est bon. Allez, maintenant la partie. Casse les bonbons. Hop, on va devoir creuser plus bas par ici. Ah! Ah! Ah non! Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est cool que ça passe pas loin. C'est pas bien parce que.
c'est chiant que ça passe pas loin. En soit, je devrais remplacer. À moi qui ai besoin de fer, on va remplacer ces blocs par de l'or. Ah, à la fin, ça va être beau. Sauf si Nems nous pète la machine. C'est une possibilité. Ah, cette machine va pas faire cracher le serveur. Par contre, en vrai, je peux. J'en ferai une un autre jour qui peut faire cracher le serveur. Enfin, pas cracher, mais faire descendre un peu les TPS. Je vois les lignes en dessous, ça me fait toujours un peu peur. On est, pour le coup, on est vraiment aligné sur les sur une partie des lignes de courant. Alors, cette ligne-là, on est bon. Il y a cette ligne-là qui m'intéresse, qui est censée revenir et passer derrière. Et c'est là qu'on va avoir des soucis de délai. Je m'inquiète un peu plus. On peut foutre... Et ouais, j'oubliais ça. Est-ce qu'elle saute, la redstone, quand on fout de la... Attendez, je vais faire un test. Est-ce qu'on peut foutre de la redstone sur du piston, maintenant? Utilité sur 50, hein. Parce que évidemment quand on déclenche... Le piston, la redstone saute. Merci Mojang pour cette nouveauté incroyable. Non mais c'est en globalité en fait, sur certains blocs ils ont donné la possibilité de le poser sur les blocs, sur des groupes de blocs, notamment les blocs opaques, opaques transparents, une connerie comme ça, je sais plus. Ce qui fait que ça a affecté tous les blocs, il y en a pour certains pour lesquels c'est inutile, mais d'autres pour lesquels c'est utile. Faut encore creuser. Merci la mer. J'arrive, pourquoi? Ah! Non. Ah! Ça fuit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh merde, je peux pas monter là. Putain, c'est trop chiant. Voilà pourquoi le créatif est mieux quand tu fais de la redstone. Oh le con. Oh, c'est tellement dangereux. Je le sens tellement mal sinon. Rollback de ses morts. Ok. Voilà, c'est bien dégueulasse. C'est parfait. Ça correspond à l'architecture de Nems. Ok. On est bon. Suivant. En vrai, pour les deux derniers... Ah, il en reste que deux, ça va. Je pense qu'il faudra un truc de type comme ça. Ah bah non, ça marche pas non plus, là. Faut qu'on aille plus loin. Pouh, c'est compliqué, ce bordel. Il manquera une toute petite partie d'automatisation. Je fasse des leviers, pour éviter d'avoir d'emmerde. Et normalement, on est bon. On n'a plus qu'à tester. On va tester tous les scores, plus les égalités. What? Mais d'où ils sortent, eux? What the fuck? Fait attaquer par des villageois en colère. Putain, même pas, on peut être en paix. Allez hop, on se désaltère un coup. Et donc, dans tous ces trucs, j'ai clairement pas... que des items qui bloquent, qui bug. C'est 25 points, je crois, max. On va recompter avec l'affichage. 25 x 6, c'est l'heure de faire des maths, les gars. 4 x 25, 100, 150. Ah, j'ai pas de cobalt en plus. Bon, c'est pareil, ils vont tous tomber dedans. Il y a une couleur, c'est orange. Ouais, c'est la dernière. C'est ça, bingo. Ok. Déjà, ça c'est cohérent. C'est une machine à lag ce truc. Ça n'y peut rien, c'est la snapshot. Je sais pas pourquoi la redstone sur les updates fait laguer de ouf. On va mettre 5 points le rose. 4 points le vert. 3 points le rouge. 4 points le jaune. 2 points le bleu. Et même 0 points, pour voir si ça marche avec 0 points. Donc là, logiquement, c'est le rose qui gagne. Ah ouais, mais avec les lags, oh attends, c'est infernal. Ok, qui a gagné? Personne, c'est pas bon signe. Après, avec les lags, bon... possible de savoir si c'était fair ou pas. Ok, c'est bon. C'était le lag, hein. C'était juste le lag. Rose a gagné. Ok, et maintenant on va faire une égalité, on en a 2 à 4. Ok, on est bon, ça reset à la fin en plus, c'est plutôt bon signe. Ok, et ça reset... En plus ça reset tout, c'est ça qui va être trop bon. Pour l'enclencher, ça va être relativement facile. Il va juste falloir faire un timer là-dessus, pas grand-chose. Donc, maintenant... Allez, une dernière pour la route, un petit bleu. Ne pas oublier de reset ce qu'on n'avait pas reset tout à l'heure. Voilà, c'est reset. Et d'ailleurs, ça doit être re-blanc. Bingo. C'est bien que ça reset la couleur sur le reset. Et maintenant...
Bleu, hein, ce qu'on avait dit. Ouais, bingo. Ok, on est bon, les gars. La seule chose qui reste à faire, 1, 2, 3, 4, 5, on a les 6 lignes. Elles viennent de là-bas. Donc, il va falloir qu'on les fasse monter et attendre ça ici. Le repeater qui est là-haut, je pense qu'il faut qu'on le redescende. Genre, il y avait un petit truc d'eau, là. Non. C'est pas grave, c'est pas de repeater qui a sauté, il y a rien de... Voilà, on va le mettre là, juste pour s'assurer. Ok. Donc la redstone a été balayée un peu partout, plutôt cool. Bah, que le rouge. Maintenant le vert. Le vert, c'est bon. Alors, il nous reste les lignes à gérer quand même. Ce qu'on avait commencé à faire. Ah ouais, mais non, il me fallait des slabs, là, ce que je disais. Faut que je remonte. On avait pas plus de redstone ou je l'ai déposé? Finis ce truc parce que je vais pas avoir le cerveau pour le refaire plus tard, ça. Ah fuck, on peut pas descendre. J'ai peur que ça bud, ça. Est-ce gênant en soi? Absolument pas. On s'en fout. On s'en fout complet, les mecs. C'est au niveau des apports de points et pas de la barre de reset. Maintenant, là, on va se décaler, s'aligner à un décalage de toutes nos lignes. Donc, faut juste qu'on regarde les coordonnées. Ok. Alors, ça, on est bon. Et il nous manque une ligne en plus. Qu'on va tracer proche. On va tracer juste à côté de celle-ci. En gros, quand il appuie sur le bouton, faut tout déclencher. On est presque bon, mais mon cerveau chauffe. Oh, il faut juste faire une... En gros, pour faire simple. En gros, pour faire simple, il faut juste une mémoire. Quand on va appuyer sur le bouton, ça va changer cette mémoire. Ça va venir déclencher... enlever juste ça. Et une fois que on a enlevé ça, il y a tout le système qui se met en marche. Avant de débloquer ça avec un certain délai, ça va juste actionner, envoyer une impulsion ici. Pour reset le système, reset le score. Enfin, reset l'affichage. Et ensuite, ça va débloquer ça. Tous les items vont tomber, le calcul va se faire. Et à la fin, on récupère en fait, grâce au courant ici, qui switch, on pourra le récupérer. On vient reset la mémoire. Et quand la mémoire se reset, c'est-à-dire la mémoire reset, ça veut dire que ça s'est alimenté. On fait un détecteur pour activer ça pendant un certain laps de temps. C'est juste pour faire remonter tout dans les droppers. Bref! Bon bah ça va, on a réussi à faire notre système, c'était long hein. Ouf. Et ça marche, ça affiche les scores. On va peut-être reboucher juste là-haut. J'espère qu'on aura juste assez de longueur de câble, de puissance, j'ai un doute. Au max, c'est 1, 2, 3, ah ouais, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, au lieu de mettre le... Repeater ici. On va le mettre ici. Ok. Il n'y a plus qu'à reboucher. Ah ça c'est de la redstone bien avancée quand même. Voilà. Pas de creeper par ici s'il vous plaît. Mais quand on regarde là on dit wow. Il y a de la redstone. My god. Et on va juste faire une dernière chose. Beaucoup plus complexe que le système là. Des points. Hein, le système qu'on a fait là. Rien à voir en termes de complexité. Système des points il est tout facile. Pourquoi? Parce que les systèmes sont indépendants entre eux. Le gros problème ici c'est que tout est dépendant entre eux. Mais ça marche, ça fait ce qu'on veut faire. Merci à Strix, une pensée pour Vindic qui va passer un malin plaisir à essayer d'animer ce live. Ah ouais en vrai putain pour le montage de ce stream. Trop de redstone. Je sais même pas si c'est intéressant en vrai à monter. Peut-être les petits détails à la con mais ça sera une globalité je pense. Je pense que le résumé sera très short parce que c'est surtout de la bonne construction et pas beaucoup d'interaction avec vous, hein. Je vous avoue que... Non mais c'est bien, il fallait la faire cette récente. On essaiera de faire la machine rigolote, la machine à lag là. Oh, ça a déjà poussé? What the fuck? Ça pousse super vite.